Hey, salut tout le monde, on se retrouve sur Yuki Watch 2, 3, 3, Yuki Watch 3, épisode 26, voilà. Et on était coincés dans les bains. On était coincés dans le château que vous, visiblement, vous nous avez dit que c'était le château des parents de Mac, à ce qu'il paraît. Et c'est on du devait spoil, ça. Faire deux tableaux blabla, le tableau blabla de Froid Wawa, le tableau blabla d'un yokai de Yokai Watch 3. Donc on vous montrera ça juste après. Donc rien de bien compliqué pour le tableau blabla de Froid Wawa, parce qu'il n'y a pas de kanji à additionner, là, les espèces de trucs bizarres à additionner. Ça, c'est très relou. J'ai cherché juste pendant très très longtemps, pendant des heures et des heures, à comprendre comment faire les combinaisons. Voilà, je vous le conseille pas. Donc pour Froid Wawa, rien de compliqué, vous mettez son nom et puis ça devrait marcher. Ouais, je vais juste vous montrer quand même vite fait son nom, parce qu'au niveau de sa page wiki, c'est pas exactement la même chose. Voilà, voilà, on peut pas se fier à son nom de page wiki. Et on va retourner du côté de Nathan pour mettre le deuxième yokai. Donc du coup, voilà le nom, enfin le yokai au nom qu'on ne connaît pas. Et voilà, il y avait deux kanji en fait. Et la galère. La galère. Et je sais qu'on va encore galérer avec Buster 2, parce que Buster 2 va être encore en japonais. Il n'y a pas de tableau blabla dans les Busters. J'ai dû prendre japonais en LV2. Donc, j'avoue, moi aussi. Mais il n'y avait pas. Ça nous aurait tellement aidé. Et donc, oui, en parlant de Buster 2, la série va arriver, mais les jeux sont coincés à la douane. C'est le moment très triste de la vidéo. Comme tout objet provenant du Japon, autre pays autre que la France, ça passe par la douane et ça reste bloqué là-bas pendant un certain temps quand on sait pas trop ce qu'il y a dedans. Voilà, c'est ça. Et donc du coup, ils vont arriver un jour. Bon, vous aurez la série pendant les vacances, c'est le principal. Pourquoi tu veux cramer Crochot? Attendez, pourquoi ça s'est transformé en lave d'un coup? Bah, Crochot. Ah, j'ai Crochot! Non mais tu crois qu'il a... Je sais pas. D'ailleurs, ce yokai là, je l'avais eu dans les espèces de souterrains du dernier épisode et Froid Wawa juste devant les salles. Voilà. Ok, donc qu'est-ce que tu nous dis, mon petit crochot là? On va devoir se battre contre. Ah, comme d'habitude, on a les deux points de vue. C'est quand même plus mignon du point de vue d'Inao, je trouve. Moi, je préfère Crochot, c'est mieux. Bah, c'est vrai que son bain de lave aussi est vachement stylé, je trouve. Oh! Mais donne une clé. Pas n'importe tiens, quelle clé, t'as contre, vu comment elle est belle? Il la sort d'où sa clé? Parce qu'il a pas de poche en fait. De son slip. Voilà. Je toucherai pas moi la clé. Hein. Oh, j'ai une deuxième clé, une clé dorée maintenant. Ok, on a une clé argent et une clé dorée. Nickel. Maintenant, il va falloir trouver où est-ce que vont les clés. Ça, c'est pas mal, ça par contre. Ok. C'est bon? Qu'est-ce qui se passe? Je me disais aussi. Ah, okay, bah voilà. Bon, je vais rester du côté de Nathan. Je vais rester du côté de Nathan. Ah, bah voilà. Regarde. En plus, une porte, hein. Y'a quoi derrière, c'est la cuisine? C'est la salle à manger, bah bien sûr. Bah ouais, forcément, mais y'a personne en fait. Ah! Ah si, y'a Valentino. Bah oui, Valentino, qui apparaît bah, dans une espèce de quête dans Yuki Watch Spectre Psychique d'ailleurs. La quête oui. De Batman. Darknian, oui, Batman, Darknian, tout le monde m'a non, compris. Non, c'est pas pareil. Darknian. Oh! Jibanyan, il est en bout de table quoi. Ah, et du coup, il se passe la même chose de l'autre côté, même si j'ai pas mis la clé. D'accord. Est-ce qu'il fallait valider qu'une seule des deux clés pour continuer le truc, hein? Je sais pas. Bonne question. Ok, où ça pionne? Valentino ou Valentino? Valentino, je crois qu'il s'appelle. Je rêve où il est en train de nous servir comme si on était des... Tu nous as légèrement foutu en prison quand on est arrivé dans ton château. Ensuite, tu nous as bloqué dans une cuisine. Non, c'était pas lui, c'était un canard. Dans ta maison, enfin dans leur maison, tu oui, vois. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que c'était une noix qui nous avait... Oui, c'était une noix qui nous avait... Oh! Je rêve, il y a un yokai qui est juste à côté de nous. Oui, je crois. Un yokai ou une espèce de... je sais pas. Donc, il est rapide, hein. Il peut se téléporter comme ça, c'est trop stylé. Wow. N'empêche, du coup, en essayant de chercher comment faire des combinaisons kanji, ça m'a bien appris, tu sais, plein de signes en mode ça, c'est chat, c'est, bref, hein, tout ça. Et je vois pas l'utilité, du coup, de savoir lire les trucs si je ne sais pas ce que ça veut dire en français. C'est ce que j'allais dire, mais est-ce que tu sais au moins quel signe veut dire quoi en français? C'est magnifique. Ok, donc qu'est-ce que tu veux? Bah, tu lui manques ça se... Oh! Oh, je joue Jibanyan d'un coup. On est dans la peau de Gigi! Oh, c'est génial! J'adore ces moments où t'es dans la peau, tu sais, d'un yokai en fait. Pourquoi il y a un B? Je sais pas. Un B comme quoi? Comme notre Yuki Watch Rambé. Oh, coach Antonique!
Oh. Il y a des baies partout. Pourquoi il y a des... Il y a des non-noms? Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on a été ici? Men! Oh, t'as vu, il y a un espèce de truc écrit en men à la fin de leur nom. Il se passe des choses très étranges. Mais c'est le jeu le plus étrange du monde entier! C'est toi qui contrôle? Mais non, mais je fais rien, moi! Je sais pas, mais en tout cas, ça m'a fait tilililin! Quand il a dit... Ah bah non. J'ai perdu. Ah bon? Ok. T'es sûr à toi? J'ai vraiment pas compris. Mais t'as pas eu le choix? Alors maintenant que j'ai filmé du côté de Jibanyan, j'imagine qu'il faut aller du côté d'Ousapion. Au niveau de la porte A. Je sais pas, j'imagine. Mais non, ça va recommencer en fait. Ouais, mais on l'a pas fait avec Ousapion. Peut-être qu'il faut le faire avec les deux parties. Et t'as vu, ça a emmené Ousapion dans la salle qu'on a débloquée avec la clé. Oui. Donc peut-être qu'en utilisant une clé, ça débloque des deux côtés, je sais pas. A voir si la clé dorée de Inao sert à quelque chose un peu plus tard. Hein. Non, je pense que la clé dorée d'Inao permettait d'ouvrir la salle à manger. Bah, je pense aussi. Sinon, t'avais pas à faire l'action. Je pense sincèrement que c'est une histoire de chance, ça. Vraiment. Ah bah voilà! Il fallait le faire du côté de Nathan et du côté de Inao. Pour qu'il nous donne une clé. Je pense qu'il fallait gagner des deux côtés, tu penses? Ou peut-être gagner des deux côtés, parce que c'est vrai qu'on a gagné des deux côtés, donc... On a recommencé la deuxième fois chez Jibanyan pour pouvoir gagner. Et on a gagné du côté d'Inao. Oh, c'est trop compliqué pour moi, ça. Mais non, par contre, on ne sait pas du tout comment on l'a fait pour gagner. Exactement. Je crois que c'est totalement aléatoire comme le bingo guy USA, en fait. Ah bah voilà. On se retrouve, ça y est. Et on va pouvoir sortir du château. Enfin, j'imagine que non. Maison, château, oui. Maison, château, château. Oh, il a trop la classe. What? Bonjour, vous faites peur? En tout cas, vous avez une belle maison. Je veux ce Kai. Wow, il a trop la classe. Il est tellement stylé. Une telle classe. Oh. Oh non. Ah, c'était sûr, ça. C'est le boss? Je pense que oui. Non, regarde. Bah si. Non, c'est pas un boss, il a pas de barre de boss. Oh, j'avoue. C'est un rang S, par contre. Tu peux le choper ou pas? Regarde, oh, il fait mal. Tu peux pas regarder non, si... Non, je pense pas qu'il y a moyen de le nourrir, tu vois. Je peux pas le nourrir. Oh, c'est dommage. Ah oui, il a grave la classe, mais je pense que comme tous les yokai de Yokai Watch 3, pratiquement, vu que c'est pas un boss, je pense qu'il y a moyen de l'avoir autre part. Oui, oui, oui. Ah bah, il nous rapporte toujours aussi peu d'XP. Hein. J'avoue que c'est super dur pour XP. On a l'épisode 26, on est au niveau 20, quoi. C'est un truc c'est-à-dire de qu'on malade. On a même pas gagné un niveau par épisode. Ah ouais, non, mais c'est une horreur. Et oh, il disparaît comme ça. Ok, très bien. J'aurais pensé que ça aurait été le boss du truc, tu vois. What is that? Ah ok, c'est juste une femme. Oui, mais une femme qui... fait des trucs bizarres. Madame, t'es à l'envers. Madame, vous avez un problème? Non, mais non, reviens. Tout va bien. Mais voilà, on fait la même tête, hein, tous. Je me demande à quoi ils ont pensé quand ils ont fait ce jeu, en fait. Bon, à savoir que, pour en revenir à Busters 2, on a déjà fait un truc qui ressemblait à le Busters Tea dans UK Watch 3. Apparemment, c'est le truc de Busters 2, en fait. Voilà. C'est ce qu'on nous a dit dans les derniers épisodes. Donc là, il nous montre qu'il y a une porte, hein. Donc je suppose qu'il va falloir y aller. Peut-être de... J'aurais été dans Let's go. Non, voilà la porte de droite. Moi, j'aurais été à la porte où elle est rentrée, tu vois. Mais on nous a montré l'autre, donc... Allez, viens, Inao. Ok, bon, je vais écouter le jeu. Je pense qu'ils étaient tous chauds pour aller sur la porte de droite, hein. Je vais écouter le jeu et aller de ce côté-là. Ok, un yokai. Non. Un autre yokai. Non. Allez, hop. Ouais, c'était par là, regarde. T'as vu? C'est verrouillé. Ah non, du coup il faut les choper. Ah, attention. Oh, elle est trop mignonne, elle, hein. C'est Yokaïcha. Oh, elle est trop chou, je la veux. Trop chou, je sais pas comment elle s'appelle. Faudrait qu'on se renseigne un petit peu sur les noms des yokai de Yokai Watch 3. Parce que j'ai un site où en fait ils sont tous répertoriés en Yatutichi ou Tchikichikichi là. Et puis
Comme ça, au moins, on peut les dire. Ah, il faut que je retourne en arrière. Oui, c'est ah, là. Ah non, faut que j'aille là. Là, normalement, c'est la salle. Bibliothèque. Une bibliothèque. Bien évidemment, entre des livres, il y a toujours une clé. Mais oui. Oh là, c'est là où tout le monde. C'est là où tout le monde cache une clé, bien évidemment. Ce n'est pas une clé. Ah, il y a plusieurs. T'as vu, il y a plusieurs oui. trucs à fouiller. Je regarde ah, peut-être des indices. Ça va être le dernier. Bah, toujours, toujours. Non, c'est pas ça. N'empêche, l'énorme bibliothèque qu'ils ont. Oh bah non. Alors moi, je pense qu'il y a un objet de coin, de dans le château. Et qu'on doit le trouver. Non. Bonne chance. Ouais, je crois aussi. Tu vois, je pense qu'on doit se rendre ici, en fait. Là, on peut pas y aller. C'était ce qui est, tu crois que c'était ce qui avait marqué dans les livres et les espèces de notes que t'as trouvées? Genre c'était les écritures rouges. C'est une lampe dans regarde, la salle juste est, avant. En fait elle était juste à gauche. Éteinte. Je vois pas le rapport. Pourquoi il y aurait une clé sur une lampe éteinte? On aurait dû se rendre compte. Mais non, mais c'est totalement dans le décor, c'est n'importe quoi. Bah non, quand je suis passé à côté, ça m'a mis un ping. Oui, bah oui, mais c'est parce que t'es passé à côté que tu l'as vu. Mais ce que je veux dire, c'est que pourquoi? Enfin, je suis sûr que les trois indices qu'on a eu tout à l'heure, ça permettait de situer la ouais, clé. Ouais, je pense aussi que ça permet de situer, mais... Là, clairement, on l'a eu sur un gros coup de chance. Hein. Ah, et du coup, on a la clé pour rentrer ici. Et moi, t'es... Du coup, on va croiser quoi maintenant comme pièce? Ah bah oui, la chambre. On a fait tout. C'est sa chambre. C'est vraiment son château. C'est il habite ici. Mais mec, tu pourrais transmettre les informations? Et même pas, il serait venu nous chercher, hein. Genre il sait où est-ce qu'on est tombé parce qu'on est chez lui quand même. Il sait qu'on a été foutu en prison, t'as des ingrats. C'était pas lui qui a fait les pièges? Oui, mais non, il est fautif. Il est fautif. Bah... Bon, du coup, tu nous aides? Je suis sûre qu'il est en train de nous expliquer que c'est chez lui. Et genre qu'il y avait des tests et qu'on a réussi et que c'est regarde. Trop cool et qu'on est vraiment ses potes. Ils ont l'air d'être gentils tous. Non mais je pense que c'est un gentil, mais genre ils ont réussi ces tests, c'est un jeu ou je sais pas. Oh peut-être. Tu vois, il était éteint, maintenant il est rallumé. Mais je vois pas le rapport avec... on aurait dû s'en rendre compte, je sais pas. Je pense que pour eux c'était logique, pour nous ça l'est moins, ok. Mais pour eux, voilà. Alors, il faut que je rentre dans cette porte. En général, quand il y a un ping devant, c'est qu'il faut se garder. Tu crois? Non. J'avoue, ça craint. Tu sens encore l'énigme arriver à laquelle on ne va rien comprendre, mais c'est génial. Ok, c'est bon, on a trouvé. En fait, il fallait traduire les indices qu'on nous donne dans la bibliothèque et il fallait trouver un truc avec une tête jaune, bref. Ah là là, ouais, avec une forme fille humaine. Dans un souterrain, bref. On a cherché pendant super longtemps et sincèrement, on a battu un autre gars, bah voilà, lui, au début. Et en fait, c'était pas lui. Et donc, du coup, bah, on pense que c'est lui. Voilà. Tout simplement. Par contre, t'as lancé une ultime, mais tu touches personne en fait. Bah, je ne voulais pas lancer des ultimes en fait. Voilà, c'est tout. Ok, on est bon. Voilà, c'est bon, ça y est. Bon, par contre, on n'a pas eu de clé. Et je pense qu'il fallait une clé pour la salle, non? J'en sais rien. Non, je pense pas. Tu penses qu'il juste fallait faire ça. Juste faire ça? Ok. Bah, bon, là, c'est bah, pingé, c'est bien. Pingé, donc on va. Ah. Bien, écoutez. On va enfin pouvoir clore la visite de ce château. On a découvert toutes les pièces, là, normalement. C'est une chambre de fille. T'as une sœur, Mac? Ah, oh, mais c'est la dame de tout à l'heure. Elle a fait flipper. Mais elle est grave bizarre, elle, hein. Aïe, aïe, aïe. Oh, un c'était mouton quoi, à terre. Ça c'est la peluche. What? Je pense pas que ce soit sa maison, c'est trop bizarre. Si, bah si, il avait sa chambre. Bah oui. Tu crois que c'est sa sœur? Mais mec, t'as une maison trop bizarre avec des moutons qui vont sous le lit. What? Mais t'es qui toi encore? Mais what? C'est un yokai ça? Ça me fait penser, tu sais, quand t'étais petit, que t'avais peur qu'il y ait un monstre sous le lit. Aïe aïe aïe. Le monstre sous le lit. Oh mon dieu. Et là, c'est le boss. Il est grave classe. J'adore ses yeux. Ah, il est sympa. Quoi, il me lance déjà une ultime? Mais mec,
Non, tu t'es planté. Oups. Oh là là, pas doué. Ouais, c'est pas grave, j'aurais sacrifié une orange. Ça se trouve, ça one shot, hein. C'est pas grave, c'est une orange. T'as eu de la chance. Oh là là. C'est pas grave, c'est une orange. Oh là là. Je crois qu'il y a eu de la chance. Je crois aussi avoir eu de la chance. Mais il est trop stylé. Les animations sont trop bien faites. Je l'ai vu dire Yama. Est-ce que son nom ce serait pas Yama? Je sais pas. Alors là t'as un talisman d'endurance, je crois. Endurance ou de force? Non, c'est pas force ça. Ah bah il te l'a enlevé. Il te l'a piqué. On lui fait bien mal sans faire d'âme ultime, je trouve. Hein. Oui, oui, bah oui, c'est normal, hein. Oh, c'était une claque. On va lui faire ça. Je déteste celui-là. C'est bon, ça touche, ça touche. Ça touche, hein. Ah ouais, ça touche. Je pense que ça lui fait avec nos Karula et Karula Tengu. Normalement, toutes les âmes ultimes touchent les bassins. Maintenant, tu sais, il y a le système des points, des cases. Non, mais justement, regarde. Ah, il fait toutes les cases, voilà. Tu crois? Je pense qu'il est présent sur toutes les cases, ouais. En tout cas, toutes les oh, ça va, sa vie descend quand même très vite. Hein. En même temps, par contre, ça me fait vraiment penser à cette peur d'enfant, tu sais, du monde. Attention, concentre-toi, hein, on va pas perdre pour rien. Mais je suis très concentrée, regarde. Je vais bouger les personnages. Et le boss est déjà à moins de la moitié de sa vie. Ok, alors Oh bah non. T'as vu, il a une faiblesse au feu. Oh yeah. Ah, c'est pour ça que tu lui fais mal. Il est faible, il a une faiblesse au feu. Ah, il a plus part de... Regarde. Oh, il a fait que tu prends. Soigne-le, prends un yokai qui soigne. Non, t'inquiète. T'aurais pu aussi prendre un yokai qui soigne quand même, celui d'en bas. T'inquiète, on a de la bouffe. Non, ça c'était pas suffisant ça. Ah oui. Parce que là, tu mets une claque, t'as perdu. Voilà. T'as peut-être crié victoire trop vite, non? Genre, réutilise le remède puissant. Mais non, regarde. Ouais, je peux attaquer au pistolet, t'inquiète! Non, parce que si tu refais le truc de tout à l'heure, tu vas mourir en fait. Tu n'as pas le choix de mettre un truc à diminuer. Non. Allez, aïe! On va lui faire un truc. Ok, pas aïe. On fait la petite formule mais du pistolet parce que je sais nul, que vous aimez bien. Mais laisse-moi! Reste en papier plutôt que. Laisse-moi s'en aller. Écoutez, je ne sais pas viser, ça a toujours été comme ça. OMG. Oh, fais un objet tout de suite. Je fais quoi là? Soigne un Teyokai. Oh là là. C'est bon. What? J'ai annulé la multime. J'ai appuyé sur la peluche. Et du coup, ça a annulé. Et sur le réveil, ça l'aurait réveillé, donc je pense qu'il fallait choisir le bon truc. J'en sais rien. T'es flippante même. J'ai pas compris là. Mais si, il y avait une poupée. Oui, d'accord, mais utilise tes amis ultimes là. Oh là là. Ouais, mais alors, tu vois, là je crois que je suis pas sûre que ça touche. Ah, si, ça touche. Si, en tous les cas, ça touche. Ouais, ils font peut-être toutes les cases, les boss, hein. Et que ça touche forcément, hein. Oui. Ah non, regarde, t'as vu, il y a la map en haut. Si j'aurais attaqué derrière, ça serait pas touché. Bah si, regarde. Non, il est... Non, je te dis, il dépasse partout. Du coup, peu importe où tu mets, ça tape. Du coup, j'ai gagné. Attends, rigole pas trop vite, parce que ça se trouve, il va se... J'ai gagné, c'est bon. Attends, mais tu connais, hein. Ok, watch, voilà. Oh, il a trop la classe, j'adore ses yeux, oh là là. Magnifique! Magique. Ouais! Ah, bah voilà, enfin un petit peu d'XP dans le jeu! Un petit peu vitef, hein, t'as juste gagné un niveau. Oui, ce sont des formalités. Faudrait le refaire en fait en boucle. What? Elle est envoûtée? Bah oui. Par le monstre du lit. Voilà? Hey! Maman? Oui, maman? Non. Ou alors sœur? Sa sœur. C'est pas sa mère, sa sœur. J'avoue, elle est un peu jeune pour être sa mère. Nissan, voilà. Nissan. Nissan, c'est sœur? C'est sœur. Oh. Il veut lui attraper le pied sous le lit. En fait, c'est un gentil yokai. C'est une musique triste. Du coup, on devient amis avec lui? Arrête de vouloir recruter tout le monde, c'est pas possible ça. Bah si!
Oh. Et le lit redevient la normale. Ah, c'est chaud. Et donc du coup c'est sa sœur. Donc c'est chez lui. Et là à mon avis il doit apprendre que c'est chez lui. Avec sa famille. Non, non, mais arrête ça! Non, mais en fait, elle est gymnaste, vraiment. Mais quoi? Non, mais sérieux! Et pourquoi tout le monde se barricade? D'accord! Ok! À suivre! Oh là là! Non, mais sérieux! Kore wa saikou da. Maruda, Wi-Fi ro minagara niya niya shinai de. Kimachi warui karo. Kakuri, kono Wi-Fi ro mite riro yo. C'est poigné? Prochain mystère. Est-ce qu'on va aller dans le Texas? Donc là on entendait Murder et Kakuri, ou Kakusei, Kakuri je crois, qui parlaient entre eux, donc les agents du début du jeu. Eh bien, sympathique. Eh bien, écoutez, du coup, on va se laisser là. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Et puis, nous, on se retrouvera la prochaine fois pour aller dans le désert, Texas, j'en sais rien. Ou alors rester là où on est. Ça sera possible. Eh bien, écoutez, bye bye tout le monde. Allez, salut. Ciao.